Nous sommes actuellement à l'école Notre-Dame de Lorette, à La Patrie, dans la région de l'Estrie, et je dois dire que nous sommes très, très, très bien reçus. Absolument, puisqu'aujourd'hui nous participerons à un atelier de dégustation. Garçon. Garçon. Bon matin, Toche. Excellente tarte. Oh, excellent. Merci. Merci, garçon. Merci. L'acidité en fin de bouche est absolument... C'est exquis, sublime, au nez, parfait. Ils font des dégustations pour en apprendre plus sur la nourriture, une chose que l'on consomme tous les jours. Garçon, garçon, s'il vous plaît. Mais Spartan. Merci. Cette pomme développe un sentiment que je n'ai pas senti depuis très longtemps. Et le sucre qui s'allonge. Oh, formidable. Nous allons voir une minute à Antoine. Bien sûr. Merci. Oh, j'aime tellement ça faire du trampoline. Ah ben là, jugez-moi pas, je dois pas être tout seul. À main levée, en arrière là-bas, et... Ah, toi aussi, hein? Je m'en doutais. Vous avez une minute pour réaliser le rêve de votre choix. Wow! Je suis bien chanceux, moi! Mon rêve, ce serait de faire du trampoline dans du Jell-O! Vous allez faire avec moi? Comment quelle saveur? Ah ben là, je sais pas, on a le choix. Ça peut être lime, carotte... Oh, je l'ai! Bœuf bourguignon! Vous le faites avec moi? On embarque! Ça brasse! On essaye un saut? On y va! Oh ben là! Encore! Oh, je l'ai! On essaye sur une jambe, OK? La gauche, on y va! On change de jambe, on change! Oh, plus difficile, si ça vous tente, on saute puis on fait un tour, OK? Attention, attention. Et hop! Oh, bravo! Encore, l'autre bord. Oh, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Celui qui saute le plus loin. De train, un, et deux, et trois. J'ai une idée. Le saut final, j'ai besoin de votre aide. Je vais me mettre en boule. À mon signal, vous sautez tous en même temps. Et là, moi, je vais faire le plus grand saut pas possible. OK? Attendez. OK. Attention. Un, deux, trois. Jamais sauté aussi haut. Ah, ben là, merci, hein? Merci, c'est grâce à vous que j'ai réalisé ce rêve-là. Ben voyons. Ah, ben là, je suis pris. Qu'est-ce que je vais faire, donc? Allez. Il faut manger. On y va. Aidez-moi, hein? Mangez du Jell-O. À l'école Notre-Dame de Lorette, il y a des ateliers de cuisine qui sont donnés aux élèves, une très belle façon de développer un nouvel intérêt. Et d'ailleurs, on s'en va voir Ben qui est en train de nous concocter une recette de muffins santé. Alors Ben, comment ça se passe? Ça se passe magnifiquement bien, Julien. J'aimerais... Ah oui, super, que tu puisses me goûter cette recette de muffins, s'il te plaît. OK. Merci. Oui. Belle couleur. Oui. C'est chargé, hein? Puis? Manque de farine? Non, je vais... C'est du sucre. Ah, ben oui. Je vais m'occuper du reste. Je vais faire le reste de la recette. OK? OK. Y a pas de problème. Bon. OK. Pendant que ça, c'est au four, je vous donne un 5 services mouvementés, plein d'exercices. Manque sans doute un 9. Non. Okay. C'est bon, Ben. Je vais m'occuper du reste du mélange et de la cuisson. OK. Alors, bienvenue au Château Miam Miam, mon restaurant, où je vous ai convié pour un 5 services mouvementés. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, chef! Oh, c'est très bien ça! Alors, comme premier service, ça va commencer très, très, très relax avec des étirements. Alors, on va commencer en étirant les poignets. On va faire ça pendant 15 secondes. Alors, on va y aller vers l'extérieur parce que,
C'est un petit peu comme un coup de fourchette, hein, quand on mange. Alors, il faut se préparer pour être sûr et certain de pouvoir passer à travers tous ces services. Alors, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir ramener les bras vers le corps et on va aller étirer notre cou comme ça. En ne faisant pas une rotation de 360 degrés, on va s'arrêter avant d'aller vers l'arrière du cou parce qu'on ne veut pas se blesser. Alors, on prend la peine de respirer aussi en même temps. Parfait! Et c'est terminé. Maintenant, il faut couper des légumes. Alors, c'est très simple. On va faire comme un coup de couteau ici et ensuite avec le corps juste là. On va faire ça pendant 20 secondes en commençant par la gauche. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, chef! Parfait! Donc, c'est le deuxième service qui commence tout de suite. Alors, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Alors, bien sûr, dans un service, il nous faut un maximum de légumes parce que sinon, c'est pas vraiment digeste. Et donc, une avant-dernière et une dernière fois. Alors, pour le prochain exercice, on est rendu au troisième service. Il faut donc saisir notre protéine. Ça, ça veut dire qu'on s'en va chercher une poêle. On va aller la chercher d'abord vers la droite et ensuite, on va aller la chercher vers la gauche. On va encore une fois faire ça pendant 20 secondes et je vous suggère de bouger avec nous. Alors, ça commence dans 3, 2, 1 et c'est parti. Alors, on va la chercher ici. Et là, on va faire le mouvement bien lentement pour être sûr et certain d'aller bien le faire. On retourne vers la droite. Et là, on peut déjà commencer à sentir les magnifiques odeurs d'un repas 5 services. Je salive. Et donc, une avant-dernière fois et une dernière fois ici. Et là, en parlant d'odeur, ça... C'est bon, ça sent le brûlé? Ouais. Ouais, je suis pas fou, hein? Oh non! Oh non! Les muffins santé de Ben! Oh non, non, non! On n'est pas obligé d'en parler à Ben, hein? OK. Hein? Non, qui? Chef! OK, parfait. Alors, pour le quatrième service, ben, il va falloir faire un dessert et donc, on va devoir battre des œufs. Alors, c'est très, très simple. On va amener nos poings comme ça vers l'avant et on va tourner vers l'extérieur pendant 15 secondes et après ça, vers l'intérieur pendant 15 secondes. Est-ce que vous avez compris? Oui, chef. Oui, qui? Oui, chef. Parfait. Alors, je vous suggère de bouger avec nous. Ça commence dans 3, 2, 1, vers l'extérieur. Alors, là, le principe de battre des œufs, c'est effectivement de rester tout le temps, en mouvement afin d'y incorporer un maximum d'air. Et on va aller de l'autre côté. Alors, même chose, on veut y mettre de l'air pour que ça commence à émulsionner. Un vrai chef ici, mesdames et messieurs. Alors, pour 5 dernières secondes, et c'est terminé. Et donc, le dernier, le cinquième service du service mouvementé, c'est le fait de servir les gens nos assiettes. Alors, pour ça, il va falloir qu'on aille courir en salle ainsi. Et c'est ce qu'on va faire pendant 30 secondes. Faites-le avec nous. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, chef! C'est bien ça. Donc, dans 3, 2, 1, c'est parti. Alors, ce soir, il y a beaucoup plus de clients et de clientes que ce que nous pensions. Les réservations sont fausses et les gens arrivent sur un coup de tête. Alors, il faut courir encore plus, puis encore plus. La fin de la soirée approche, on commence à desservir les tables pour nettoyer les assiettes. Et donc, pour 5 dernières secondes, 5, 4, 3, 2 et 1, et c'est terminé. Et là, je dois avouer que tout cet exercice-là, ça m'a creusé l'appétit, là. Allez donc faire une salade. Wiki! C'est ça? Oui! Bonjour à vous deux. Des questions sur le menu? C'est quoi votre crème de champignons? Oh, la crème de champignons, la spécialité de la maison d'ailleurs. Oui, une recette qui a été concoctée par un chef émérite de la STQ, Simon Dubouda. Excellent choix d'entrée. Et je vous conseille d'ailleurs en plat principal le maïs rural et ses 3 gousses d'ail. Ça vous va? C'est parfait. Sublime. Nous irons donc avec la crème de champignons. Savais-tu que
il existe plus de 2 milliers d'espèces de champignons. C'est fou, là! C'est beaucoup! Quoi? Hein? Dis pas, il y en a pas 10 milliers. Quoi? Il y a un million! 1 million d'espèces de champignons différentes, c'est fou! Fait que la prochaine fois que quelqu'un te dit qu'il aime pas les champignons, demande-lui s'il a goûté aux 999 999 autres sortes. À part les champignons de Paris qu'on met parfois sur la pizza et les champignons qu'on peut avoir sous les pieds, il y a plein d'autres sortes de champignons. Il y a les shiitake, les morilles, les portobello, les pieds bleus, les champignons dans lesquels les schtroumpfs vivent. Malgré le fait qu'on mange des champignons depuis des millénaires, dans l'imaginaire collectif, ils sont souvent considérés comme étant un peu sinistres. Et ça, c'est entre autres dû au fait qu'il y a des sortes vénéneuses qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à des sortes comestibles. Hypocrite! C'est pourquoi il vaut toujours mieux être accompagné d'un expert mycologue quand tu cueilles des champignons dans la forêt. Et c'est quoi un expert mycologue? C'est quelqu'un qui tripe sur les champignons, qui connaît ça, puis qui aime vraiment travailler en sandales. Puisque les champignons ont leur propre système de reproduction et qu'ils ne font pas de photosynthèse, on ne peut pas les considérer comme des végétaux, même s'ils ressemblent à une plante. Ça me rappelle quelqu'un, ça. Bonne dégustation, la gang! Quand on se promène en campagne, l'été, on peut voir des grands champs de maïs. C'est tellement beau, là! Mais ce que je trouve encore plus beau, c'est quand il y en a dans mon assiette. Le seul problème, c'est que ça pogne dindant des fois, hein? Ça faisait longtemps que j'attendais la période des épluchettes de blé d'Inde. On peut ouvrir notre grosse poche de maïs en séparant les pieds, vraiment plus large que tes hanches, plus large que tes épaules, et fait tourner les orteils de chacun des pieds vers l'intérieur avec les jambes bien allongées. On va aller sortir le maïs de notre poche. Donc tu peux commencer à pencher le haut du corps vers l'avant jusqu'à ce que les mains se déposent sur le sol et à venir soulever le maïs vers le ciel. Ça va nous en prendre encore quelques épis. On va descendre encore plus bas. Graduellement, on descend vers le fond du sac. Plie tes coudes. Et voilà, je pense qu'on les a tous. Tu peux te redresser pour la deuxième étape qui va être d'aller éplucher nos blés d'Inde. Donc, cette fois-ci, les pieds sont parallèles l'un à l'autre et tu viens asseoir ta fesse sur le talon du même côté comme ça ici. Fais descendre tes hanches pour sentir l'étirement dans la jambe qui est allongée sur le côté. Tu le vois ton épi là? Faut enlever les feuilles pour pouvoir le faire cuire. Donc, viens chercher ton pied et commence à éplucher ton blé d'Inde. Évidemment, si tu te rends pas complètement, c'est pas vraiment grave, ok? Tu peux l'éplucher ici, il va être très bon quand même. Tu peux y aller avec les deux mains si tu veux. On enlève les petits poils du blé d'Inde et on change de pied. Donc, va porter la fesse sur le talon du même côté, pointe les orteils vers le ciel et viens sentir l'étirement sur la jambe qui est allongée. On vient chercher l'épi, on va enlever doucement les feuilles, l'éplucher pour qu'ils soient bons à manger. Et tu sais qu'est-ce qu'on fait pour les préparer? Pour les faire bouillir, parce que du maïs froid, c'est pas super. Donc on le met dans l'eau et il se met à bouillir. Tu peux rapprocher un petit peu tes pieds et commencer à sentir l'ébullition qui se crée, à bouger et à presser tes pieds dans le sol pour te redresser. Notre eau bout enfin. Je l'entends? C'est l'alarme pour nous dire que c'est prêt, on peut enfin manger. Ouh! On en a mangé beaucoup, hein? Je pense qu'on mérite un petit peu de repos. Viens déposer les mains sur le sol et viens t'asseoir sur tes talons. Et il y a un peu d'espace entre chacun de tes genoux. Comme ça, tu vas pouvoir gonfler ton ventre rempli de nourriture entre les cuisses à chaque fois que tu vas inspirer profondément. Fais marcher les mains vers l'avant, détends les avant-bras et tu peux déposer le front au sol pour quelques respirations. Ben en tout cas, ça, c'était vraiment le fun, mais je sais pas, on dirait que je pense que j'en ai encore de pris dans les dents. Y a-t-il quelqu'un qui a une brosse à dents? Ah, merci.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? On a faim! Moi aussi. Ça tombe bien parce que justement, je viens de travailler sur une nouvelle recette. C'est une purée de carottes là, brûlées, là, mais brûlées noires, là, que je sers avec une petite mousse de foie de morue. Là, sur... Wow! Oui! Non? Ah, j'ai une autre recette. Là, okay. Des choux de Bruxelles que j'ai laissé mariner dans du vinaigre 255 jours. Je les mets juste en tranche avec un filet d'huile d'olive, du sel, du poivre. Oui, là, oui, oui, oui! Non! Non! Non. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez manger? Vous avez des pommes? Oui! OK, des pommes. Bon, ben, salut tout le monde. On va aller manger des pommes. Hé, hey, je préfère une croustade. Hein? Oui. Avec un petit peu de foie de morue, là, me semble. Non, 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 non,